Le 16 décembre 2017, des images de l'US Navy créent la sidération parmi la population américaine. Jusque-là classées secret défense, trois vidéos d'objets volants non identifiés filmés par des F-18 sont révélées au public. Elles seront authentifiées par la Navy en novembre 2019. La première vidéo remonte à novembre 2004. Elle est filmée par une patrouille à proximité du porte-avions américain Nimitz. Sur ces images, un objet en forme de gélule effectue des manœuvres qui défient les lois de la physique. Ce sont les radars du navire de guerre USS Princeton qui confirment la présence de plusieurs objets ce jour-là. Une patrouille de F-18 est immédiatement envoyée sur place et filme l'un de ces objets volants non identifiés. Dans le jargon militaire et scientifique, on les appelle PAN, pour phénomènes aérospatiaux non identifiés. Dans le même temps, le très sérieux New York Times révèle l'existence d'un programme secret. Ce soir, CNN a appris que le Pentagone avait un programme de recherche secret sur les ovnis. Le programme s'appelait le programme d'identification avancée des menaces aérospatiales, dirigé par l'officiel Luis Elizondo. Des dizaines de millions de dollars ont été alloués au programme par l'ancien leader de la majorité au Sénat, Harry Reid. À cette époque, j'étais le chef du Sénat et j'ai parlé au sénateur d'Hawaï, Daniel Inouye, et au sénateur de l'Alaska, Ted Stevens. Ils étaient tous deux représentants du comité des crédits. C'est lui qui détermine où les crédits pour la défense sont investis. Il contrôlait aussi ce qu'on appelle les fonds secrets, des lignes de budget noires qui n'apparaissent nulle part. C'était secret, c'était classifié. Et je leur ai demandé de se rencontrer dans une chambre sécurisée du Capitole. Là, je leur ai exposé les faits. Et je leur ai dit que je voulais qu'on dépense de l'argent pour essayer de comprendre de quoi il pouvait bien s'agir. Ces révélations sont reprises par tous les médias américains. La divulgation de l'existence d'un programme secret à 22 millions de dollars pour étudier les ovnis est prise très au sérieux. Alain Juillet est l'ancien directeur des renseignements des services secrets français, la DGSE. Le fait que ce soit un sénateur américain qui ait demandé, qui ait insisté pour qu'il y ait cette enquête, montre quand même que ça correspond à une vraie problématique. Néanmoins, les Américains, quand ils ont décidé, à la demande du sénateur de faire l'enquête, l'ont faite, parce qu'il y avait déjà eu un certain nombre de problèmes sur lesquels les pilotes américains en particulier avaient... Enfin, s'étaient interrogés, je dirais, les pilotes et les autres, en voyant les images de ce qu'ils avaient pu regarder. Aux États-Unis, l'affaire fait grand bruit. Et David Fravor, pilote d'un des F-18 présent lors de l'affaire du Nimitz, témoigne sur CNN à une heure de grande écoute. Tout d'abord, ça n'avait pas d'aile, donc on a pensé que c'était un hélicoptère, mais il n'y avait pas de souffle du rotor sur l'eau, pas de rotor. C'était extrêmement abrupt, comme une balle de ping-pong qui rebondit sur un mur et change de direction. Et sa capacité de planer au-dessus de l'eau, puis de repartir à la verticale de 0 à plus de 12 000 pieds, puis d'accélérer en moins de 2 secondes et de disparaître, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu de ma vie. Je crois, comme les autres témoins de ce phénomène, qui ont vu l'objet ce jour-là, qu'il s'agit de quelque chose qui ne vient pas de notre monde. Pour les experts, ce témoignage est hallucinant et légitime les vidéos. Jusqu'ici, les militaires se gardaient bien de donner leur avis. Quelque chose venait de changer aux États-Unis. L'armée des États-Unis a dit « Ok, on n'a plus besoin de garder tout cela secret ». Donc, les pilotes peuvent rapporter ce type de phénomène sans avoir peur pour leur carrière. Dorénavant, ils peuvent rapporter cela à leurs supérieurs. Avant, ils ne pouvaient pas le faire. Mais les Américains ne sont pas les seuls à étudier le sujet de façon sérieuse. À travers le monde, de nombreux pays ont créé des organismes ou des programmes de recherche sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. En France, la commission Sigma 2 examine les cas les plus crédibles, comme celui de l'affaire Nimitz. Donc on a essayé de reconstituer ce qui a été observé lors des exercices navals qui se déroulaient entre le Nimitz, Princeton, etc. Du 10 au 13 novembre 2004, un certain nombre d'observations répétitives d'éco-radars, 8 à 20, observés au-dessus des îles Catalina, sur une trajectoire sud, à 80 000 pieds et à peu près 100 nœuds.
Donc 100 nœuds, c'est une vitesse qui est extrêmement basse pour un avion et qui plus est à des altitudes de ce niveau. Créé en 2013, Sigma 2 est constitué de pilotes de chasse, d'ingénieurs, de militaires et même d'astronautes, dont le français Jean-François Clairvoy. Pierre Bescon, lui, est l'ancien directeur du site de Kourou en Guyane, où sont lancées les fameuses fusées Ariane. Je ne suis pas du tout d'accord avec certains scientifiques, par exemple, qui disent oh, « bon, tout ça c'est des bêtises ». Non, si on fait des observations qui sont avérées avec des gens qui ont l'habitude d'observer, comme les pilotes, par exemple, de chasse, qui voient des choses, et ce n'est pas n'importe quoi ce qu'ils ont vu, si on ne comprend pas, on range l'information sur une étagère en attendant d'avoir une compréhension scientifique un peu meilleure de certains phénomènes physiques, en attendant de pouvoir travailler correctement sur le sujet. Mais on ne dit pas c'est des bêtises. De mon point de vue, ça n'a pas de sens. Quand on dit faut-il croire aux ovnis, aux phénomènes aérospatiaux identifiés, le sujet n'est pas là. Il y a des recherches qui se font sur le sujet. ECHO, donc, ils sont répartis de façon uniforme au nombre de 14 sur une distance d'à peu près 100 miles, avec des altitudes variant de 28 000 pieds jusqu'à 500 pieds. Et ces informations donc sont corrélées entre les différents radars. Sigma 2 travaille en étroite collaboration avec le très officiel Centre national des études spatiales français, le CNES. Et plus précisément l'une de ses branches, le GEPAN, groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Depuis plus de 40 ans, il tente d'élucider l'origine de certains ovnis. Le GEPAN est à charge de collecter, d'analyser et d'informer par rapport à des observations qui ont été faites par des témoins sur le sol français. Le GEPAN n'est pas un service d'alerte, n'est pas un service de recherche, n'est pas un service de surveillance de l'espace, mais bien un service d'analyse des témoignages à partir de témoignages humains, plus des photos qui accompagnent, des croquis et toute information que peut nous amener le témoin. Notre rôle au niveau technique, c'est de faire une analyse par rapport à des phénomènes connus. On cherche un rapprochement entre l'observation, qui est empreinte d'émotion, qui est empreinte d'étrangeté. Oh ! Oh ! Mais dis- oh ! Ne hurle pas comme ça ! Ah ! Ah, maman ! Mais c'est quoi ? Pourquoi tu... Mais c'est extraordinaire ! Mais arrête de hurler comme ça, enfin ! C'est des étoiles ! Mais non, c'est fou. Pas des étoiles ! On n'a jamais vu ça ! Mais il faut surtout appeler, il faut appeler je sais pas quoi là. C'est le rôle donc du GEPAN, c'est d'arriver à identifier des phénomènes connus qui peuvent correspondre, ou probables, quand on n'est pas totalement sûr, quand on n'a pas la preuve, ou dans certains cas qu'on n'arrive pas à exploiter parce que les données ne sont pas assez complètes. Et sinon, avec des données complètes ou une étrangeté mais qu'on n'a pas expliqué, on reste sur des cas inexpliqués. C'est d'ailleurs l'un de ces événements en France, très proche des cas révélés par l'US Navy, qui est à l'origine de la création du GEPAN. Un ancien directeur du groupe, Jean-Jacques Velasco, qui fut en poste pendant 21 ans, aujourd'hui expert indépendant, se souvient d'ailleurs qu'une affaire non élucidée est à l'origine de la création de l'organisme. En France, en 1951, un cas a sollicité en fait, l'intervention de l'armée de l'air. Des pilotes qui étaient en patrouille ont observé au-dessus de la région d'Orange un objet qui se déplaçait à une vitesse qui correspondait à la vitesse de l'avion. Quand ils ont voulu le rejoindre pour faire l'interception, l'objet en fait a calqué sa vitesse sur celle des avions et à un moment donné il a accéléré de façon considérable. À partir de ce moment-là, un rapport a été fait à l'état-major de l'armée de l'air, c'est remonté même jusqu'au ministre, et on a commencé à prendre en compte très au sérieux ces observations. Et là, des recommandations ont été faites pour créer en France un organisme qui permettait de collecter et d'analyser ces données. Et c'est ainsi que Claude Poher, qui était un ufologue, mais en même temps astronome, et qui travaillait au CNES, a été chargé de créer le GEPAN. Je trouve que c'est le courage du CNES à une époque d'avoir dit « Eh ben, on va répondre à cette interrogation-là et donc on crée le GEPAN ». Ça, c'était très courageux parce que précisément, c'est une approche qui est scientifique. Il y a des phénomènes observés qu'on ne comprend pas,
eh ben, on va interroger les gens qui observent les choses et puis on va regarder si on peut étudier cette question-là, on va regarder si on peut répondre à cette préoccupation. Ça, c'est une démarche scientifique. Donc la première patrouille, en fait, est envoyée à peu près 60 miles du Nimitz. Il y a l'observation d'une trace d'écume au niveau de l'eau. L'un des F-18 donc, va engager une manœuvre de descente rapide au contact de cette zone d'écume. Et donc l'objet décrit comme un grand tic-tac va changer de position et va grimper. Donc voilà, il y a une manœuvre, hein, manœuvre qui pourrait sembler intelligente. Bon, suite des opérations, ce n'est que la troisième vague de F-18 qui, elle, est équipée de caméras infrarouges, qui va rallier le point, qui va en faire ses fameux enregistrements. Voilà. Et derrière les images, ce sont surtout les commentaires stupéfaits des pilotes de l'US Navy qui interpellent. Oh my gosh! They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. The whole thing, dude. That's not our LNS, though, is it? It's not. It is an LNS, dude. Well, if there's like this thing. Là, on est dans quelque chose, c'est indiscutable, si vous voulez. Il y a le pilote qui l'a vu, il y a les caméras qui ont filmé, il y a le tour de contrôle qui a identifié aussi, mais il y a plein de choses. Là, ben, il y a un problème. Un certain nombre de cas montrent à l'évidence qu'il y a une interaction vis-à-vis notamment des avions. Et ça, c'est tout à fait démontré. Quand vous prenez le nombre de cas aéronautiques à l'échelle mondiale, de cas officiellement recensés, vous êtes sur un chiffre de l'ordre de à peu près 2000 cas. Sur les 140 cas qui sont retenus, on a tout à fait les stéréotypes de ce qui est raconté depuis 1947, à savoir des objets qui ont des vitesses qui peuvent aller de 0 jusqu'à des vitesses de 10 000 et 20 000 km/h enregistrées par les radars, des accélérations absolument phénoménales, des trajectoires qui ne correspondent absolument pas à des trajectoires que pourraient faire des avions, à savoir tourner autour des avions, avoir des trajectoires à la verticale, puis brutalement partir à l'horizontale. Parfois, ces objets non identifiés font preuve de comportements intelligents. Ils semblent tester les capacités des avions de chasse qui les poursuivent. En 1956, à une époque où aucune technologie n'est capable de dépasser 2000 km à l'heure, des objets lumineux survolent à très haute vitesse la base militaire de Lake Nice en Angleterre. Les radars enregistrent des accélérations brutales jusqu'à 6000 km/h, puis des arrêts instantanés qu'aucun appareil terrestre n'est capable d'effectuer. L'un des objets lumineux finit par poursuivre un avion de chasse comme s'il voulait engager le combat. Même la CIA s'est penchée sur l'affaire. L'agence de renseignement l'a révélé en 2006 en rendant publique une partie de ses archives secrètes. Et ce n'est pas le seul cas du genre. Ce que je veux dire, c'est qu'on pensait que ces objets n'apparaissaient que dans les airs. Mais ce n'est pas vrai. Il y a eu des phénomènes inhabituels dans l'eau, sous la mer. Et pas une seule fois, mais plusieurs fois. Les gens racontent d'étranges phénomènes survenus à des bateaux, interrompant parfois même leur communication radio. Donc oui, je pense que c'est extrêmement important de faire tout ce que l'on peut pour comprendre de quoi il s'agit. Pour preuve, l'un des cas les plus énigmatiques qui ait été soumis à la commission Sigma 2. Il remonte à 2013 et n'a toujours pas trouvé d'explication. Un dossier qui n'est pas totalement clos, qui est un cas d'observation qui est fait au soir du 25 avril 2013 sur l'aéroport d'Aquadilla, Porto Rico. D'abord par le contrôle aérien. Le contrôle aérien relève des échos radars bizarres. Bon. Signalerait une lumière à un avion de patrouille maritime américain qui est équipé d'une caméra infrarouge visible qui va être utilisée donc dans cette affaire-là. On voit une tache fluctuante donc d'un objet hein, qui se promène on va dire au-dessus, je dirais, des abords de l'aéroport. Ce qui est plus extraordinaire, par contre, c'est qu'après, cet objet semblerait survoler la mer et plonger dans l'eau, sans effet de splash, disent les Américains,
et laisser d'ailleurs une trace thermique dans l'eau, ce qui est bizarre, parce qu'en fait, un objet immergé dans l'eau, l'eau est opaque aux infrarouges et donc va constituer normalement un écran qui efface toute trace. Il se trouve qu'il y a une trace résiduelle qu'on ne sait pas bien expliquer. Et enfin, pour terminer, cet objet semble ressortir de l'eau et se séparer en deux. Ce cas exceptionnel a été longuement étudié par un groupe d'experts américains qui s'est procuré les images peu de temps après leur tournage. Des images réalisées à partir d'un avion des services secrets intérieurs des États-Unis. Ce cas incroyable a fait l'objet d'un rapport de 160 pages, résultat de plusieurs mois d'enquête. Ses conclusions sont claires, le phénomène reste inexplicable. En particulier, sa capacité à rentrer dans l'eau sans faire de vagues, puis à se séparer en deux, demeure un mystère scientifique et technique. Périodiquement, le ministère de l'Air, le Pentagone américain et les forces armées américaines s'intéressent aux objets non identifiés parce que régulièrement, il y a des alertes qui les font se poser des questions. Et pour les militaires, c'est très inquiétant parce que lorsque vous êtes militaire, vous avez besoin de savoir ce que vous avez en face. Donc si vous avez quelque chose que vous ne maîtrisez pas, que vous ne comprenez pas, alors, évidemment, il est logique qu'on essaie de comprendre, donc de lancer des commissions d'enquête et d'essayer de savoir ce qui a pu se passer dans les cas qui ont été observés. Et ces inquiétudes ne datent pas d'hier. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les autorités américaines ont lancé plusieurs commissions d'enquête sur ces phénomènes. En particulier, le projet Blue Book, autrefois dirigé par le célèbre astronome Joseph Allen Hynek. Ce scientifique ne croyait pas aux ovnis. Mais au bout de plusieurs années d'études, il a fini par douter, et même par valider la réalité de ces phénomènes inexplicables. À cette époque, les forces armées américaines elles-mêmes sont déjà contraintes de communiquer sur ces affaires très spéciales. I am here to discuss the so-called flying saucers. The Air Force interest in this problem has been due to our feeling of an obligation to identify and analyze to the best of our ability anything in the air that may have the possibility of threat or menace to the United States. In pursuit of this obligation, since 1947, we have received and analyzed between 1,000 and 2,000 reports. However, there have been a certain percentage of this volume of reports that have been made by credible observers of relatively incredible things. It is this group of observations that we now are attempting to resolve. C'est aujourd'hui exactement la même préoccupation qui anime les autorités américaines. Rien n'a changé. Elles craignent pour la sécurité intérieure. Elles doivent protéger les populations d'une attaque potentielle. Comme dans les années 50, cette interrogation a motivé l'analyse des images filmées par l'US Navy ces dernières années. C'est même la raison d'être du fameux programme ATIP. Il y a eu beaucoup d'événements rapportés. Et la technologie embarquée à bord des avions s'est aujourd'hui beaucoup améliorée. Ils peuvent prendre des photos de ces phénomènes. Et on a d'excellentes photos de ces objets. Sont-ils une menace? J'en sais rien. Mais je sais que nous ne pouvons pas juste détourner la tête et faire comme s'ils n'existaient pas, car ils existent. Après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de gens ont pensé, les Américains pensaient que les Russes étaient derrière les objets volants non identifiés en disant « Eh bien, c'est les Russes ont trouvé de nouvelles technologies et les utilisent pour nous espionner. » Si c'était un pays, un des pays qu'on cite, les grands pays, si vous voulez, c'est-à-dire les États-Unis, la Russie ou la Chine, depuis le temps qu'il y a eu des incidents, on aurait eu une fuite quelque part qui aurait dit « oui, ça correspond à ça ». Or, il n'y a eu absolument aucune information qui est sortie là-dessus.
confirmant ou infirmant d'ailleurs que c'était des Russes, des Américains ou des Chinois. Pour moi, je n'y crois pas. Je pense que c'est autre chose. Autre chose, mais quoi? Si les instances sont placées, se posent des questions, des civils aussi cherchent. C'est justement la vocation du MUFON. Ce réseau de scientifiques et d'ingénieurs collecte depuis les années 50 une masse de témoignages sur l'ensemble du territoire américain. Il a même une antenne en France. Il dispose aujourd'hui d'un maillage considérable, un réseau d'enquêtes réparties dans chaque État. Le MUFON est pris très au sérieux, y compris par le gouvernement. C'est même l'un de leurs rapports qui a suscité l'intérêt du sénateur Harry Reid et motivé la création du fameux programme ATIP. C'est en se basant sur les données du MUFON que cette information a été utilisée pour justifier au Congrès les fonds pour le programme ATIP. C'est ce qui a été révélé dans l'article en première page du New York Times le 16 décembre 2017 à propos des développements secrets du Pentagone liés aux ovnis. Ce sont les données du MUFON qui ont été utilisées pour justifier la mise en place de ce programme. 10 ans plus tard, quand l'histoire éclate en couverture du New York Times, c'est vraiment, selon moi, le début de la divulgation d'un vrai phénomène. Et c'est pourquoi les gens y prêtent vraiment attention. Divulgation, le mot est lâché. Cette révélation est-elle involontaire ou organisée? En effet, depuis le 16 décembre 2017, des officiels militaires ou politiques font des apparitions régulières dans les médias. Opération de communication, ça c'est indéniable. On peut difficilement imaginer qu'aux États-Unis, des militaires, des anciens du Pentagone, etc., communiquent de façon totalement libre, débridée, sans qu'il y ait eu, je dirais, un certain cadrage. À partir du moment où vous avez une campagne de communication par des professionnels et qui explique effectivement ce genre de choses, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au minimum, c'est une sensibilisation de la population américaine. Au minimum. Hein ? Ça peut être aussi la préparation à une nouvelle réalité, c'est-à-dire qu'un jour, on leur dise, ben oui, ça existe, et voilà comment c'est. On les aura préparés à ça. Imaginez simplement qu'on nous dise... écoutez, maintenant on est sûr de nous, on a la preuve que notre monde est également visité par d'autres mondes. Venez-moi, où il y a des passages entre plusieurs mondes qui se font, autant vous dire que ça va quand même créer un vrai problème au niveau... Ça va faire réfléchir beaucoup de monde, parce que ça veut dire qu'on rentre dans autre chose. Et une problématique où il y a effectivement il y a des risques qu'on ne maîtrise absolument plus. A priori, ils sont gentils, mais on n'en sait rien... Et de toute manière, on ne maîtrise rien. Alors, donc ça veut dire qu'on est avec quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Or, vous savez que l'être humain, et surtout aujourd'hui, déteste se trouver dans une situation où il ne maîtrise pas, il ne contrôle pas la situation. C'est visiblement ce que pensent aussi les experts américains du MUFON. Paul Hynek est très bien placé pour le savoir. Il est le fils du directeur du fameux programme Blue Book, qui fut dirigé par Joseph Allen Hynek dans les années 50 et 60. Il baigne dans les rapports depuis son enfance. Il perçoit lui aussi une véritable rupture dans la politique de communication des autorités américaines. La divulgation de l'existence du programme ATIP, programme d'identification avancée des menaces aérospatiales, et la divulgation récente de ce que la marine a vu et a admis avoir vu sur une période de plus de 9 mois, tous les jours des ovnis, et ils ne peuvent pas les expliquer, et ils ont bien franchement besoin d'aide. Donc il me semble, et mon ami Richard Dolan est très convaincant dans ses présentations qui ont mené à ce qui pourrait être une grande divulgation. Il me semble, dans les activités récentes du gouvernement américain, que le gouvernement essaye d'habituer la population à la possibilité d'une grande révélation. Acclimating the populace to a potential grand disclosure. Paul Hynek et les autres membres du MUFON en sont convaincus. En 2018, ils ont même invité l'ancien directeur du programme ATIP, Luis Elizondo, qui est venu confirmer leur intuition. Je pense que la divulgation a déjà été faite. Je ne pense pas que cette révélation soit un événement. C'est un processus. Et ce processus a déjà commencé. Tout ça est vrai. C'est pour ça que 22 millions de dollars d'impôts ont été dépensés. Ça fait beaucoup. Mais à quoi ont vraiment servi ces 22 millions? Comment élucider le mystère de ces phénomènes aérospatiaux non identifiés?
Quelles études précisément ont mené les Américains dans le cadre du programme ATIP? Ces travaux ont été essentiellement menés par Bigelow Aerospace, une société dirigée par Robert Bigelow, un homme d'affaires aux idées bien arrêtées qui est convaincu de l'existence de la vie extraterrestre. Je suis complètement convaincu, c'est simple. Croyez-vous que des ovnis sont venus sur Terre? Il y a une présence extraterrestre. Où exactement? C'est droit devant le nez des gens. Oh mon Dieu. Pourquoi le sénateur Reed a-t-il décidé de travailler avec Bigelow Aerospace? Un choix qui peut paraître surprenant et qui d'ailleurs lui fut reproché par certains. Il se justifie aujourd'hui. Je voulais dépenser cet argent et nous avions 22 millions de dollars, mais on ne pouvait pas donner simplement l'argent directement à quelqu'un. Donc nous avons fait un appel d'offres auprès des sociétés intéressées. Bigelow a fait une proposition et l'armée américaine a trouvé qu'elle était la meilleure. C'est pourquoi il a eu le contrat. Il l'a eu pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il était intéressé par ces objets depuis très longtemps. Et donc il a proposé des choses qu'aucun autre contractant ne pouvait proposer, ne serait-ce qu'en termes de bureaux et de technologie. Et il a fait une excellente proposition, et c'est pour cela qu'il a eu le contrat. Et je suis content que ce soit lui. Alors sur quel domaine la société Bigelow Aerospace a-t-elle travaillé? Sur ce document récemment déclassifié de la DIA, le département du renseignement militaire américain, on découvre les recherches menées par la firme. Au total, 38 sujets d'études très complexes qui concernent des technologies futuristes et non maîtrisées aujourd'hui. Par exemple, l'antigravitation, la propulsion nucléaire dans le spatial, la recherche des trous de ver permettant de pénétrer des univers parallèles, l'énergie négative ou encore la magnéto-hydrodynamique. Ce n'est pas un hasard si ces recherches de pointe ont été menées par Bigelow Aerospace. En 1995, avant même de fonder sa firme, Robert Bigelow crée le National Institute for Discovery Science dans le but d'élucider de nombreux mystères scientifiques, dont les ovnis. Il y investit des millions de dollars de sa fortune personnelle. C'est simple, pour les spécialistes, Robert Bigelow est un héros national. Robert Bigelow a dépensé plus d'argent que n'importe qui dans le monde, de son argent privé, pour financer des recherches sur les ovnis. D'après moi, c'est un héros au sein de la communauté ufologique. C'est un homme intéressé par les étoiles. Il a fondé Bigelow Aerospace à Las Vegas, qui construit des habitats gonflables pour l'espace. Je suis heureux de savoir qu'il a du succès, qu'il travaille avec la NASA, avec le programme spatial. Je le remercie pour le temps passé ensemble. Cela nous mène dans la bonne direction en termes de divulgation et je suis très enthousiaste. Au fil des années, des personnalités sérieuses et incontestables ont travaillé auprès de Bigelow. Le docteur John B. Alexander, pilier du laboratoire de recherche militaire de Los Alamos, ou encore Edgar Mitchell, le sixième homme à avoir marché sur la Lune. Et après des années d'études, leur verdict laisse sans voix. I happen to be privileged enough to have been on the fact that we have been visited on this planet. And the UFO phenomenon is real, although it's been covered up by our governments for quite a long time. Whoa! Hang on a minute. Well, this is big. All of this is quite a shock to me. Well, I'm sorry. You haven't been reading the papers recently. It's starting to open up quite a bit. So you're telling me... well, there's a lot of information to take on board. Hang on a minute. Listen, I've heard... crazy UFO nuts tell me this kind of thing before. I've never had Dr. Ed Mitchell, the sixth man to walk on the moon, a respected scientist in his own right, announce to me that we've been visited by aliens from other planets and that they definitely are out there. There's no debating it. Well, that's the first time you've ever talked to me or I've told you about it before. Ces observations d'OVNI n'ont pas seulement lieu aux États-Unis. Certains dossiers, y compris en France, continuent de bousculer les certitudes des esprits les plus rationnels. Et nous poussent à nous poser sérieusement la question, sommes-nous visités par une intelligence non humaine ? Thank you.
Parmi les cas qui ont été examinés au GEPAN, il y a le cas de Valensole. La rencontre rapprochée de Valensole est un cas extraordinaire, était un cas mondialement connu. L'histoire se passe le 1er juillet 1965. L'agriculteur Maurice Mass est dans son champ ce matin-là, vers 5h30. Il commence à travailler. Il aperçoit des gens qui sont dans son champ de lavande et il pense qu'ils sont venus avec une voiture. À l'époque, c'était une Dauphine, je crois, qui sont en train de faire fouiller dans ses lavandes. Et en s'en rapprochant, il se rendra compte que c'est pas du tout une voiture, que c'est un objet assez étonnant, mais surtout, il y a deux entités de petite taille qui sont à côté du vaisseau et qui semblent faire des prélèvements de lavande. Et là, à sa grande surprise, il constate qu'il a affaire à des petits êtres qui se retournent, et l'un d'entre eux va sortir de sa poche une espèce de tube qui va le paralyser. La paralysie du témoin, c'est quelque chose de tout à fait curieux. Puisqu'en fait, il avait toute sa conscience, mais il était paralysé sur le plan musculaire. Et le vaisseau va partir immédiatement. Alors il a dit, je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus faire un mouvement, mais j'étais bien. J'étais bien, mais je ne pouvais plus ni avancer, ni reculer, j'entendais tout, je voyais tout, mais je ne pouvais plus bouger. Alors on peut imaginer peut-être qu'elles l'ont immobilisé comme on immobiliserait une bête sauvage sans vouloir de faire de mal si jamais elle se rapprochait un peu plus de nous. Il a dit, et ça pour moi c'est une phrase que j'oublierai jamais, dans leurs yeux je lisais de la bonté. Dans leurs yeux je lisais de la bonté. Et bien ça, pour moi c'est ça résume toute l'histoire. On n'invente pas quelque chose comme ça. Il rentre chez lui. Et là, il va tomber dans un profond sommeil qui va durer plusieurs jours. Il dormait sans arrêt. Il fallait que sa femme le réveille. Il fallait que son épouse dise « Maurice, réveille-toi, ça fait 10-12 heures que tu dors ». Alors ça ne s'invente pas non plus. Il ne pouvait plus garder une montre, ou elle avançait, ou elle reculait. Voilà. Une montre, il ne pouvait plus s'en servir. Voilà. Ça ne lui servait plus parce que la montre n'était jamais à l'heure. Les gendarmes vont se rendre sur place. Ils vont constater qu'il y a une trace au sol. Une trace qui est tout à fait particulière et qui est étonnante. Cette trace, elle consiste en un cylindre qui est creusé dans le sol, avec trois trous obliques qui partent au fond. C'est lisse, comme s'il y avait un outil qui avait donc forgé ce sol. Et puis, il y a des traces de plots qui, visiblement, est en appui sur le sol. Il y avait un trou, donc, et dans lequel j'ai envoyé ma main sur à peu près une hauteur de 50 cm, et qu'on pouvait dire qu'il y avait, comme s'il y avait des griffes qui s'étaient comme une arrimage. C'est bien ça, hein, dire bon là. Et là, tu vois ici, là, ah. De ce côté, il y avait les amandiers là. Oh, ouais. Et derrière les amandiers, je me souviens bien, il y avait des levignes. Oh, ouais. Il y avait des amandiers à l'époque qui étaient plantés en rang d'oignon. Et selon la trajectoire d'envol de ce qu'on pouvait appeler l'engin, la partie gauche des amandiers était jaunie comme par une forte chaleur. Alors c'était surprenant parce que d'un côté de l'amandier c'était vert et de l'autre côté c'était jaune. Il faut savoir que pendant 10 ans, il n'a plus rien poussé. Il a replanté de l'avande, il a replanté du blé. Pendant 10 ans, sur ce petit morceau, c'est pas parce que c'était pas quelque chose d'immense, hein. Donc, il n'a plus rien poussé. Ça lui est tombé dessus. Il n'aurait jamais rien dit à son meilleur ami. Peut-être que l'histoire se serait arrêtée là, quoi. Il aurait emporté avec lui. C'est la presse qui est arrivée, puis la presse locale, puis la presse régionale, puis nationale et internationale. Et à partir de ce moment-là, le monde entier est arrivé. Le petit village de Valensole est en émoi depuis 48 heures avec l'apparition d'une soucoupe volante. Je me trouve au café des sports de ce charmant petit village, il fait très chaud, les joueurs de belote s'en donnent à cœur joie. Dites-moi messieurs, le principal témoin de l'affaire, monsieur Mass, est parti en vacances. Est-ce que quelqu'un pourrait me raconter quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu ou à qui on a raconté quelque chose? Allez, ouais, monsieur Moisson. Le patron de l'établissement, monsieur Moisson. Allez, c'est aujourd'hui, monsieur Masson est aujourd'hui la vedette du village. Vous fûtes en quelque sorte le confesseur de monsieur Mass qui était dans son champ lorsqu'est apparue cette soucoupe volante. Alors racontez-nous. Ça, la matinée, Maurice Mass est venu, c'était un ami. Et il m'a raconté qu'il avait vu un engin se poser dans son champ. Et oui. il m'a dit de ne pas en parler, vu qu'il serait peut-être embêté. Et vous avez pu garder le secret combien de temps? Jusqu'au lendemain.
Et le lendemain le matin, tout le monde, enfin, on a un peu parlé, et tout le monde, provençal, est venu. Tous les journaux de la région sont venus. Tous les journaux de la région sont venus, voilà. Je viens de se poser là-dessus. Les empreintes sont très visibles. Sont très visibles, oui. Et ce n'est pas quelque chose qui peut être fait par des amateurs non, par aucun appareil connu, je ne crois pas. Et est-ce que M. Mas est une personne qui s'amuse à faire des blagues de temps non, en temps ou... pas, non, non, moi, là, j'ai eu l'impression que vraiment, il a dit la vérité, parce que vraiment, il était un peu émotionné de l'engin qu'il avait vu. Hein. Cette affaire, elle a suscité beaucoup de réactions. Il y a même, par exemple, le professeur Yves Rocard, qui était quand même académicien, et qui s'en est occupé. Il y a beaucoup de gens qui ont, à l'époque, qui ont parlé de cette enquête. Mais ce qui est intéressant, c'est que au GEPAN, on avait les trois rapports de gendarmerie. Le GEPAN classe aussitôt ce dossier stupéfiant parmi les cas les plus inexplicables qui lui ont été soumis. Même le père de la bombe atomique française, Yves Rocard, se penche longuement sur l'affaire. Et justement, le nucléaire semblerait avoir un lien très étroit avec le phénomène. Les tests nucléaires, il faut le savoir, c'est quelque chose quand même qui est effrayant, parce que 540 bombes nucléaires ou thermonucléaires qui ont été balancées dans l'atmosphère, c'est énorme. Et ça correspond, dans la période entre 1960 et 1961, à une explosion tous les trois jours, faite par les Américains ou les Soviétiques. This is atomic energy. Dès 1949, il y a déjà des indices selon lesquels il se passait des choses tout à fait surprenantes en termes de localisation de ces phénomènes. Les sites stratégiques nucléaires, en particulier, étaient survolés. Lors de deux commissions secrètes qui ensuite ont été divulguées au public, Edward Teller, donc, qui était le conseiller scientifique de la Maison-Blanche, participait et qu'il était père de la bombe atomique. Il expliquait qu'il y avait des survols des sites nucléaires, en particulier Oak Ridge, où on fabriquait le plutonium, les bases de lancement, White Sands, Sandia, Roswell, où il y avait les bombardiers atomiques qui partaient, enfin bref, tout un ensemble d'éléments qui montraient qu'il y avait des survols. In True Magazine, Commander Robert McLaughlin, a Navy guided missiles expert, told of flying saucers detected by radar over White Sands, New Mexico. Scientists were tracking a rocket, suddenly detected a saucer at 56 miles altitude. Over 100 feet in diameter, the disc was traveling at 1,800 miles per hour, rapidly outranged their instruments. But there had been time for precise, accurate measurements. Says McLaughlin, that saucer could not have been made on Earth. Par exemple, j'ai appris que plusieurs bases de missiles dans le Midwest, dans le Dakota, ont été mystérieusement désactivées. Parfois, les militaires sont même sortis dehors et en pleine nuit ont pu voir des objets dans le ciel. Dans certains cas, cela a même interrompu les communications sur la base. Et ça n'est pas arrivé une seule fois, mais plusieurs fois. L'un des cas les plus troublants se déroule en 1967 au-dessus de la base de Malmstrom dans le Montana. Nous avons retrouvé l'un des derniers témoins de ces événements. Comme les autres témoins, il a gardé le silence pendant 30 ans avant que l'affaire ne s'ébruite finalement. Le lieutenant Robert Salas était en charge du lancement des missiles nucléaires Polaris. Il y avait un établissement à 6 mètres sous terre. Le nom de mon commandant était Fred Myward. On prenait chacun notre tour la garde, en restant en état d'alerte. Et à un moment, dans la soirée, je reçois un appel téléphonique du garde d'en haut. Il y avait 6 gardes là-haut. Il voyait d'étranges lumières dans le ciel, qui volaient très vite, qui s'arrêtait à mi-vol, qui repartait en arrière. Il n'entendait pas de son de moteur, c'était uniquement des lumières dans le ciel, mais des lumières étranges, qu'il n'associait pas à des avions. Il criait dans le téléphone, balbutiant, me disant qu'il y avait une lumière rouge, orange, qui volait au-dessus de l'entrée principale. Et tous les gardes là-haut étaient prêts avec leurs armes. Et il m'a demandé ce qu'il devait faire. Bien sûr, j'étais sous choc en écoutant ce qu'il me disait. Lui, il était clairement effrayé.
Je lui ai dit de s'assurer que rien ne rentre dans la zone de défense et qu'il pouvait utiliser toute force nécessaire. Ensuite, il a raccroché. Il m'a dit qu'il devait raccrocher car l'un de ses gardes était blessé. Je suis allé réveiller mon commandant et alors que je lui expliquais les appels téléphoniques, nos missiles se sont éteints. On avait 10 missiles sous notre contrôle et les 10 missiles se sont éteints. On est passé en mode no-go. On ne pouvait plus les lancer, on ne pouvait plus les utiliser. Et c'est ce que nous avons rapporté au poste de commandement. On a aussi eu des alertes lumineuses qui indiquaient qu'il y avait eu des incursions dans les silos de lancement qui étaient situés à environ un mile de nous. Donc j'ai envoyé des gardes là-bas pour vérifier la sécurité de ces installations. Et ils ont vu d'autres ovnis qui survolaient le site. Quand vous superposez les lancements, enfin les tests dans l'atmosphère, avec les cas d'OVNI, vous vous apercevez que vous avez une similitude au niveau des courbes, avec un décalage de 2 ans. C'est très curieux. Je ne peux pas l'expliquer, hein, simplement je constate que les deux courbes ont la même forme et qu'elles correspondent en fait à chaque fois à des tests nucléaires. Certains vont même beaucoup plus loin et n'hésitent pas à parler officiellement d'extraterrestres en mission commandée. Paul Hélière a été pendant 3 ans le ministre de la Défense du Canada. Pendant la guerre froide en 1961, il y a eu environ 15 ovnis en formation qui ont volé de la Russie vers l'Europe et le commandant suprême des Alliés était très inquiet. Et dans les deux camps, on était prêt à déclencher l'arme nucléaire. Et puis les ovnis ont changé de direction pour retourner vers le pôle Nord. Donc ils ont décidé de faire une enquête qui a duré 3 ans et ils ont découvert qu'au moins 4 espèces différentes d'extraterrestres ont visité la Terre depuis des milliers d'années. Donc nous avons une longue histoire avec les ovnis. Et il y a eu une augmentation de leur activité depuis des dizaines d'années, depuis que nous avons inventé en fait la bombe atomique. Ils sont très inquiets sur le fait que nous pourrions l'utiliser à nouveau parce que l'ensemble du cosmos est connecté. Et cela ne nous affecte pas seulement nous, mais d'autres entités dans le cosmos. Et ils ont très peur qu'on puisse être suffisamment stupide pour utiliser à nouveau les armes nucléaires. Et ce serait très mauvais pour nous, mais pour eux également. Lui, il dit clairement, les extraterrestres existent, ils sont là, ils sont venus nous empêcher, etc. Moi, j'en suis pas là. Je dis simplement qu'il y a des phénomènes, des objets qui sont contrôlés et qui nous mettent en face d'un certain nombre de choses. Est-ce que c'est un signal? Je dirais simplement sur le plan scientifique, pour que les choses soient très claires. Nous, on est capable aujourd'hui, avec des satellites, de détecter des explosions de supernova qui se trouvent à des dizaines d'années-lumière. Pourquoi une civilisation qui serait plus en avance que nous n'aurait pas la capacité de détecter des explosions nucléaires qui se produisent sur Terre? Parce que l'explosion nucléaire, elle est dans le spectre électromagnétique, elle comporte tous les éléments du spectre électromagnétique. Ça va dans tout le domaine du spectre des micro-ondes, en passant par les ultraviolets et les infrarouges. Donc par conséquent, ce signal qui est un signal artificiel, il peut être détecté de très loin. Et est-ce que ce serait en relation, effectivement, avec le fait qu'il y a eu énormément d'observations qui ont été faites au-dessus des sites nucléaires? La question demeure. En 2012, en France, le journaliste David Gallet filme des parapentistes à proximité de la centrale nucléaire de Cattenom en Moselle. Il capte sur sa caméra un étrange objet lumineux pendant quelques secondes. Cet objet semblerait avoir été filmé le même jour en Suisse et en Allemagne. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'essaye de suivre le phénomène qui va parcourir l'intégralité de l'horizon
je dirais en 20 secondes à peu de choses près. Donc qui va quand même relativement vite, 5-6 fois plus vite qu'un avion de ligne par exemple. Et puis je le suis tant bien que mal parce que ça va passer devant le soleil, c'est pas si simple que ça, parce que c'est une lumière qui passe devant le soleil, on voit plus rien, mais je le récupère. Et à la fin, le phénomène semble, en tout cas moi, ce que j'ai dans l'objectif, disparaître, s'évaporer. Et puis bah, je suis avec quelqu'un qui est un ingénieur du son, qui est à côté de moi et qui me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Parce qu'il se demandait ce que je faisais avec la caméra. C'est-à-dire je ne suivais plus du tout le paramoteur, mais je balayais l'horizon avec la caméra et je lui dis « Je crois que j'ai filmé un ovni. » Et puis on rigole, quoi. Mais on rigole pas longtemps parce qu'après, on va regarder les images sur le petit écran de contrôle de la caméra et puis surtout ensuite dans le monde montage. Toujours en France, Michael Vaillant, expert data consultant auprès du GEPAN depuis plus de 12 ans, fait clairement le lien entre apparition d'OVNI et survol d'installations civiles et militaires en France dans une étude qu'il a publiée sous l'égide de l'Université de Toulouse. On a travaillé avec le laboratoire de mathématiques de Toulouse. On a fait une étude mathématique en 2015 qui a permis de montrer qu'il y avait une significativité statistique importante entre la répartition des phénomènes inexpliqués et les centrales nucléaires, mais aussi avec les sites pollués. Alors on peut s'interroger effectivement sur la nature de l'intelligence qui est responsable de ces observations, s'il y a une intelligence, parce que ça peut être encore une fois des phénomènes naturels, hein. Et s'il y a une intelligence, elle peut être peut-être endogène, peut-être exogène, toutes les pistes sont ouverte évidemment. Quand on dit endogène, c'est au sens, ça peut être terrestre, ça peut être une surveillance par des pays étrangers qui s'intéressent par exemple à l'état de nos technologies, de nos sites nucléaires, et peut-être exotique, peut-être une surveillance. On peut entendre par exotique des intelligences que l'on n'a pas identifiées mais qui peuvent être sur Terre, des groupes. On peut imaginer effectivement des extraterrestres si on voulait. C'est probablement l'hypothèse la plus extrême à ce stade. Et on peut s'interroger dans ce cas-là aussi pourquoi il y aurait des intelligences extraterrestres qui viendraient observer comme ça des sites nucléaires ou des sites pollués. C'est assez, a priori, ce serait assez étrange et savoureux. Que ce soit pour surveiller les humains qui jouent avec le feu nucléaire ou pour toute autre raison, ils sont désormais de plus en plus nombreux, politiques, ingénieurs, chercheurs, à oser parler clairement d'une intelligence non humaine. Je ne peux pas parler au nom du gouvernement, je n'en fais plus partie. Mais aujourd'hui, ma conviction personnelle, c'est qu'il y a de nombreuses preuves qui montrent que nous pourrions ne pas être seuls, quoi que cela veuille dire. Il y a beaucoup de nouveaux cas qui arrivent tous les mois. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Les pilotes voient des choses, les marins voient des choses en mer, de nouveaux cas arrivent tout le temps. Look, nothing in the sky at all. And then all of a sudden, bam! What is that? Anybody tell me what that is? We're in the middle of the ocean. On a ferry. Nothing around. Look. Nothing around. No land, no nothing. The reason that we had so much secrecy. S'il y avait autant de secrets, c'est parce que les gens ne comprenaient pas ce qui se passait. Et plutôt que d'effrayer la population, ils l'ont juste ignoré, en espérant que cela disparaisse. Mais ça n'a pas disparu. Et aujourd'hui, l'armée est obligée de faire quelque chose parce que maintenant, il y a trop d'événements. Parce que les pilotes d'avion n'ont plus peur de dire ce qu'ils ont vu. Ceux qu'ils prennent le plus au sérieux aujourd'hui, ce sont les scientifiques, parce qu'ils disent qu'il y a quelque chose. D'où viennent-ils, hein, et comment fonctionnent-ils? C'est ça qui est intéressant. C'est pas imaginable autrement que par des technologies qui sont bien plus en avance que la nôtre. Donc on n'est pas en capacité de le faire, ça veut dire que ça vient d'ailleurs. Et si ça vient d'ailleurs, ben, ça vient de l'espace, obligatoirement. Une intelligence qui viendrait de l'espace. Ce qui faisait sourire la communauté scientifique pendant de longues années devient aujourd'hui un vrai sujet. Et pour cause, en 25 ans seulement, les astronomes ont découvert l'existence de 4000 exoplanètes.
des planètes pour certaines semblables à la Terre qui pourraient clairement abriter des formes de vie intelligentes. Et pourquoi pas une civilisation plus avancée que la nôtre. Avi Loeb est le directeur du département d'astrophysique de la prestigieuse université d'Harvard. Il est aussi le patron de deux instituts sur les mathématiques et les trous noirs qui rassemblent de nombreux physiciens, astronomes et mathématiciens. Autant dire que c'est l'un des chercheurs les plus sérieux et respectés au monde dans son domaine. Or, avec ses équipes, il a étudié l'un des phénomènes les plus surprenants jamais observés dans l'espace proche, l'arrivée d'un objet interstellaire non identifié au comportement unique et sidérant. Son nom, Oumuamua, qui signifie en hawaïen « le messager ». Oumuamua a été découvert le 19 octobre 2017. C'est le premier objet que nous avons identifié près de la Terre et qui provient de l'extérieur du système solaire. Il était évident qu'il n'était pas tiré par le Soleil, parce qu'il allait trop rapidement près de la Terre. Au départ, les astronomes ont pensé que c'était un rocher, un astéroïde, peut-être une comète, donc on ne l'a surveillé que pendant une semaine. Ensuite, nous avons compris qu'il avait d'étranges propriétés. Il tournait sur lui-même, par exemple, toutes les 8 heures. Sa luminosité était 10 fois plus forte. Cela veut dire que sa place dans le ciel change d'un facteur de 10. Tout ce que l'on voit, c'est la lumière réfléchie. L'objet est donc 10 fois plus long que large. C'est une forme bien plus extrême que beaucoup d'objets que nous avons vus dans le système solaire. Le mois suivant, les astronomes l'ont observé un peu plus, sans y prêter trop attention. Et au mois de janvier, elle était trop mince pour être observée. Mais les observations prises plus tôt ont été analysées. Et là, on a réalisé qu'en fait, Oumuamua a dévié d'une orbite qui est orientée seulement par la gravité du Soleil. Il y a une force supplémentaire qui l'a poussé loin du Soleil. Cela aurait pu être le résultat d'un dégazage, comme on le voit avec les comètes, quand la glace à la surface de la comète s'évapore à cause de l'illumination de la lumière du Soleil. Mais dans le cas de Oumuamua, nous n'avions aucune preuve de l'existence d'une queue de comète. Il n'y avait pas de gaz autour de l'objet. Et il y avait très peu de limites. Et donc, c'est très déroutant. Qu'est-ce qui lui donne cette poussée supplémentaire? Dans un article scientifique que nous avons écrit, nous avons suggéré que peut-être cette poussée est donnée par la lumière du Soleil. Et pour que la lumière du Soleil puisse se réfléchir sur un objet et lui donner une poussée suffisante, l'objet doit être très fin, moins d'un millimètre d'épaisseur, comme une voile sur un voilier qui serait poussée par le vent. Notre civilisation développe actuellement la technologie des voiles solaires, où l'on utilise la lumière des étoiles pour naviguer. Et le résultat, c'est que lorsque la lumière vient rebondir sur la voile, cela lui donne une poussée qui peut l'amener à de très grandes vitesses, potentiellement jusqu'à la vitesse de la lumière. Donc, dans l'article, nous disons qu'il est possible qu'il s'agisse d'un dispositif qui a été fabriqué de manière artificielle et qui a été envoyé par une civilisation extraterrestre. Nous avons mentionné cela comme une possibilité, simplement parce que l'explication alternative, qu'il s'agit d'une comète, est incompatible avec les données. Si la voile solaire d'Avi Loeb reste une hypothèse très exotique mais probable, les technologies qui pourraient expliquer les performances inouïes de ces objets inspirent les scientifiques, les militaires et les firmes privées. Alors, y a-t-il derrière ces programmes de recherche une véritable course pour les technologies de demain ? Alors, la technologie qui est utilisée par ces engins, apparemment en tout cas, est une technologie que nous ne maîtrisons pas. Parce qu'il est évident que si on trouvait la solution qui permet à un engin non identifié de se balader à vitesse zéro, à vitesse extraordinaire ou à évoluer n'importe comment, il est évident que ça intéresserait tout le monde.
Parce que ça changerait le rapport à l'aviation de chasse, hein, entre autres. Après tout, si on trouve quelque chose, ça peut aider la défense française. Donc on est toujours dans la même logique de dire, ben, si on trouve quelque chose, ça peut nous aider à comprendre le phénomène et pourquoi pas à en tirer parti. Alors la firme Bigelow et le fameux programme américain à 22 millions de dollars avaient-ils pour but d'élucider ces phénomènes et technologies inconnues pour en tirer parti? Le sénateur à l'origine du programme semble l'affirmer. Est-ce que je pense que la technologie, le programme pour lequel nous avons dépensé de l'argent a aidé? La réponse est oui. Avons-nous des réponses? Oui, nous en avons, mais pas tant que ça. Moi, je m'intéresse à la science, et je pense que nous devons connaître l'origine de ces phénomènes. D'où viennent-ils? Et je pense également que nous devons être compétitifs. D'autres pays, dont la France, ont fait le travail en essayant de comprendre tout cela. Et je suis à peu près certain que la Chine également. Ainsi que la Russie, qui est dirigée par un ancien responsable du KGB, je suis certain qu'ils ont aussi fait le travail. C'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, nous devons le faire, ce travail, nous, les États-Unis. Dans cette compétition, les Américains semblent donc bien partis. Si l'on reprend la liste des sujets d'études de la firme Bigelow, on constate de nombreux programmes sur des thématiques non maîtrisées aujourd'hui, mais dont les applications seraient révolutionnaires. Parmi les sujets les plus sensibles, l'antigravité, ou la capacité de s'affranchir des lois de la physique et notamment de la pesanteur. Faire voler un objet sans résistance physique ou sans être attiré au sol. J'ai maintenant une quasi-certitude que dans tous les cas où on a vu quelque chose de bizarre qui a été parfaitement identifié, on a aussi bien vu qu'il y avait un phénomène, c'était en effet face à un engin qui ne tenait pas, qui ne fonctionnait pas avec la gravitation classique, avec la classique. On était dans l'antigravitation. Ça, je crois que c'est une quasi-certitude dans tous les cas de figure. Ces technologies futuristes nécessitent la conception de nouveaux matériaux. On les appelle métamatériaux. Récemment, une firme privée a signé un contrat de recherche et développement avec l'armée américaine sur ces technologies. En juin 2018, le docteur Alputov, cofondateur de cette société et ancien participant du programme ATIP, fait à ce sujet des déclarations surprenantes. C'était un échantillon multicouche de bismuth et de magnésium. Cette couche de bismuth est plus petite qu'un cheveu humain. L'échantillon de magnésium fait 10 fois la taille d'un cheveu humain. Il a potentiellement été récupéré durant le rapatriement d'un véhicule spatial avancé qui se serait écrasé. À Las Vegas, au mois de juin 2018, le physicien Alputov a laissé entendre que cet étrange objet de métamatériaux venait d'un crash d'OVNI. Mais il n'en est pas sûr. Putov et son collègue, le docteur Eric Davis, sont sur le point d'identifier un ensemble de petites pièces qui semblent au-delà de tout ce que l'humanité peut fabriquer. Cet échantillon a été créé par des couches plus fines que des microns, via un processus inconnu sur Terre et dans un but que nous pouvons seulement supposer. Aucune preuve a été trouvée que quelqu'un ait déjà créé quelque chose comme ça. Quand on en parle à des gens du domaine de la création de matériaux, ils disent qu'ils ne savent pas pourquoi quelqu'un voudrait créer quelque chose comme ça. Il n'est donc plus seulement question de comprendre l'origine des ovnis, mais bien d'en tirer parti. Ces métamatériaux présenteraient ainsi des propriétés exceptionnelles qui pourraient s'avérer très utiles et très rentables. Ils ont des métamatériaux. J'ai vu les photos. J'en ai parlé avec eux. Ils essaient de comprendre comment ça fonctionne. Il semblerait que si on envoie une fréquence dans ces matériaux, ils l'évitent. Enfin, c'est ce que l'on m'a dit. Je ne l'ai pas vu. Je ne connais pas les détails. Mais ils essayent de comprendre exactement comment ils ont été fabriqués. C'est un matériel créé avec du bismuth. Et c'est stratifié. Donc, c'est nouveau pour nous. Et on essaye de comprendre comment cela fonctionne. Ces savoir-faire pourraient aussi nous permettre de résoudre l'équation écologique et lutter contre le réchauffement climatique. L'énergie et le système de propulsion sont tout de suite deux choses. Parce qu'il semble y avoir ce potentiel alléchant d'énergie illimitée, gratuite, sans impact écologique qu'on pourrait se procurer. Que ce soit l'antigravité ou quelque chose même au-delà de la propulsion photonique, la téléportation ou quelque chose comme ça. Donc nous pourrions maîtriser l'univers physique comme on ne peut même pas l'imaginer aujourd'hui. Cela nous propulserait au-delà des combustibles fossiles, de l'énergie solaire et de l'énergie nucléaire vers une énergie illimitée et abondante pour tous. Ce qui peut faire des choses loin au-delà de ce que nous pouvons faire maintenant.
nature de la réalité telle qu'on a l'habitude de le concevoir. Le temps, l'espace et la matière n'existent pas en réalité telle qu'on les perçoit. Ce sont des constructions de la conscience à partir d'un champ d'information immensément plus vaste que ce qu'il est coutume d'appeler la matière ou l'espace-temps. C'est également le point de vue du célèbre astronome et spécialiste des ovnis, le docteur Jacques Vallée, un Français parti vivre aux États-Unis qui a collaboré avec le célèbre professeur Hynek du projet Blue Book. Il défend lui aussi un nouveau regard sur la physique. Désormais, pour les exigences de la nouvelle physique de 2061, nous devons d'abord reconnaître que l'univers est un sous-système d'une méta-réalité d'une structure d'information. Tout est une structure d'information et c'est simultané. Nous devrions reconnaître les dimensions comme un artefact culturel. Nous créons les dimensions car nous avons de petites bibliothèques, des coordonnées X, Y et Z, mais nous n'avons pas besoin d'elles en physique. Donc nous devrions faire comme nous le sentons avec le concept de dimension dans la physique du futur. Le présent est plus que déterminé, comme le dit Philippe Guillemant. Il est déterminé depuis le passé et depuis le futur. Finalement, la conscience génère l'impression d'espace et de temps. C'est la conscience traversant ce flux d'informations et créant l'illusion de l'espace et du temps. Jacques Vallée a également travaillé avec le docteur John B. Alexander, ancien colonel de l'armée américaine qui était impliqué dans divers programmes de recherche militaire sur le paranormal. Avec Vallée, ils ont été tous deux embauchés par le milliardaire Robert Bigelow dans les années 90, lorsque celui-ci a fondé le National Institute for Discovery Science pour étudier les ovnis et les expériences de mort imminente. Selon moi, il y a une interrelation entre tout et entre bien des phénomènes. Et un des problèmes quand on étudie les ovnis, c'est qu'on a tendance à isoler les paramètres prématurément. Comme vous le savez, je me suis intéressé aux expériences de mort imminente. J'ai fait un doctorat sous la direction du docteur Elizabeth Kubler-Ross. J'ai été impliqué dans la visualisation à distance, dans la psychokinèse, la marche sur le feu, la cryptozoologie, peu importe le domaine. J'ai travaillé avec beaucoup de chamans dans le monde. Selon moi, ces choses sont interreliées et la conscience humaine en fait partie. Oui, on rentre dans la spiritualité. Et quand on mélange science et spiritualité, ça rend les gens très nerveux. Il y a dans ce phénomène une interaction entre la physicalité et la conscience, qui est absolument fondamentale. Concernant les ovnis, il est commun de dire que ces technologies ont des milliers d'années d'avance sur les nôtres. Mais ce que l'on réalise, c'est que ce n'est pas vrai. On observe que c'est en avance sur nous, mais pas au-delà de votre capacité de la croire et de la comprendre. On croit que ce sont des choses qu'on aura dans 1000 ans, et elles sont là au bout de 50 ans. Et c'est systématique dans les observations liées aux ovnis. Je vous donne un exemple précis d'un cas rapporté par Jacques Vallée. Au début des années 1900, dans l'état de Washington, un homme est au volant de sa voiture. Un ovni apparaît devant lui et il le décrit plus tard et il dit « C'était de forme heptagonale et je pouvais voir chaque rivet ». À cette époque, c'était très avancé. Mais une cinquantaine d'années plus tard, on n'utiliserait jamais de rivets pour voyager dans l'espace. En fait, on a affaire à des engins qui sont capables de rentrer dans notre espace-temps en provenant de l'extérieur, en provenant, on va dire, des autres dimensions. Aujourd'hui, si le principe des univers multiples reste une théorie, elle fait partie des hypothèses pour expliquer la provenance des phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'est d'ailleurs l'un des points de recherche du programme ATIP. Ma conviction personnelle, c'est... Vous savez, ce sont des théories hermétistes et ésotériques, mais elles remontent à l'origine du monde. Hein. On les retrouve dans les civilisations anciennes, on les retrouve partout. Et pas seulement pas en Europe, mais en Égypte ou ailleurs, mais partout, on retrouve la même chose.
C'est-à-dire que les gens vous disent il y a plusieurs mondes, en définitive, qui sont parallèles et qui sont juste l'un à côté l'un de l'autre. Il n'y a pas que le monde, notre monde à nous, le monde que nous percevons, nous, n'est pas le seul monde. Il y a plusieurs mondes qui s'interpénètrent. Après tout, c'est aussi la possibilité d'être quelque chose qui sort d'un autre monde et qui interpénètre le nôtre à un moment donné et pour un moment très court. Ça, c'est parfaitement possible. Si cette réalité existe, pourrons-nous l'appréhender concrètement? Entrer en contact avec une éventuelle intelligence venue d'ailleurs? Michael Vaillant a travaillé sur les différentes vagues d'observation des ovnis dans le passé. Ces vagues d'observation n'ont pas été très très nombreuses dans l'histoire récente de l'homme. Elles ont commencé après la guerre. Elles ont eu lieu sur de grandes régions du globe, celle des États-Unis par exemple, ou de l'Europe. Pendant quelques jours, semaines, des centaines d'observateurs ont pu rapporter des observations de phénomènes inexpliqués, alors que d'ordinaire, on va avoir, par exemple à l'échelle de la France, un phénomène tous les deux jours. Alors, c'est déjà beaucoup, mais dans ces cas-là, c'est sans commune mesure. Jacques Vallée et d'autres scientifiques ont proposé ce qu'ils appellent une théorie du contrôle, c'est-à-dire que ce serait peut-être des intelligences extérieures qui seraient à l'origine de ces phénomènes, qui contrôleraient l'organisation de ces vagues. Et il y avait derrière cette idée de théorie du contrôle l'idée d'une théorie de l'apprentissage. Peut-être que le phénomène apprend à l'homme sa présence. C'était un peu l'idée. Il y a des méthodes qu'on appelle méthodes d'apprentissage espacées dans le temps qui vous permettent de réaliser un apprentissage, effectivement, à l'échelle d'un individu, pas d'une société, et qui vont vous permettre d'économiser l'énergie et le temps que vous allez passer pour apprendre une notion. C'est-à-dire, je suis très feignant, je veux apprendre une liste de mots, et ben, je veux économiser mon énergie. Plutôt que de répéter bêtement cette liste de mots de façon séquentielle tous les jours, je vais petit à petit espacer le temps entre mes apprentissages. Et ça suit, à ce moment-là, une loi de puissance, qui est une loi qu'on mesure à l'échelle de l'homme, qui en général est une loi en puissance de 2. C'est-à-dire le temps qui va augmenter de façon à doubler à chaque fois qu'on va vouloir refaire un apprentissage. 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Et on observe cela, ce schéma, dans certaines de ces vagues d'observation, c'est-à-dire certaines de ces vagues d'observation sont très précisément reliées par une loi en puissance de 2,04, même précisément. Et cette précision est si importante qu'on peut se poser la question de est-ce que on peut donner une date sur la prochaine des vagues. Voilà. Et la prochaine, en l'occurrence, puisqu'on attend, il se passe plus grand-chose aujourd'hui, nous mènerait en octobre 2035. C'est pas tout de suite, mais c'est pas non plus dans très longtemps. On est là sur un domaine qui est très très compliqué, qui est rejeté par, bien sûr, par les gens, les apôtres du progrès, je dirais, mathématique et cartésien. Mais est-ce qu'on n'aura pas des surprises dans le futur? Ça, c'est autre chose. Si les autorités américaines ont encore des choses à révéler, bah, qu'elles le fassent, parce que je pense que les gens sont peut-être prêts à recevoir cette information. Je pense sans aucune hésitation que les recherches scientifiques sur ces objets volants non identifiés sont vraiment bonnes pour l'humanité. Pas seulement pour les États-Unis, mais pour le monde entier. Je pense que s'il n'en tenait qu'à moi, ce que je ferais avec les autres pays travaillant là-dessus, eh bien, c'est de se rencontrer, de partager les informations. Que les États-Unis partagent avec la France, la Chine, la Russie, nous devons le faire parce que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. On doit travailler ensemble et rendre ces informations publiques et les partager. C'est important, pas seulement pour notre pays, mais pour toute la civilisation humaine. Dans l'année à venir, nous aurons une conversation fondamentalement différente de celle que nous avons aujourd'hui. Je pense qu'il y aura une plus grande adhésion du public pour tout ce qui a été divulgué récemment, et cela nous aidera à mieux comprendre ce que nous voyons. Il faut dire que ça apporterait des bouleversements au niveau de nos sociétés très importants.
Ça remettrait en cause un certain nombre de choses sur le plan philosophique, sur le plan religieux, sur le plan même de la science. Peut-être qu'en 2035, les connaissances de l'homme sur le sujet étant stabilisées, on pourrait peut-être avoir un contact. Un contact, sachant qu'une idée qui a été avancée, derrière ces vagues aussi, et derrière cet apprentissage, ce serait d'éviter ce qu'on appelle un ethnocide culturel, c'est-à-dire d'éviter que l'homme soit totalement pris au dépourvu et choqué par la découverte d'intelligence ou de phénomènes de nature extraterrestre. Je pense qu'à l'échelle de 10 ans, on aura, même très certainement avant, découvert la vie dans le système solaire, pas intelligente, mais au moins la vie. Et ça, ça permet, ne serait-ce que ça, de poser les briques, en tout cas les fondations d'un édifice intellectuel qui permet de s'interroger plus loin, en tout cas pour le scientifique, qui permet d'oser penser qu'il y a peut-être, au-delà de la vie, une vie intelligente. Et donc ça fait progresser aussi les mentalités. Ces sujets vont devenir de plus en plus mainstream, c'est ça que ça veut dire. Il y a plus de planètes comme la Terre qui sont habitables dans le volume observable de l'univers qu'il y a de grains de sable sur toutes les plages de la Terre. Pour moi, il semble très raisonnable de chercher d'autres civilisations, pas forcément ici sur Terre, pas forcément dans le système solaire, mais bien plus loin que cela, et en faire un sujet central pour nos futures recherches. Parce que les conséquences au fait de trouver des preuves de la vie là-haut seraient phénoménales. Ça changerait la conception que nous avons de notre place dans l'univers. Ça nous apprendrait des choses sur des technologies avancées que nous n'avons jamais rêvé de développer. Cela peut aussi nous apporter une leçon sur comment se comporter en tant que civilisation. On se sentirait comme une équipe qui apprend d'une autre équipe qui a traversé un processus similaire à nous dans le passé. A dot is all. A dot is all, it is us, both in the past and in the future. A dot is nothing, it is you. Unseizable, a mere step. Bodies and electrons racing, a dot is a mere moment, a crossroads. Hypothetical journeys. Never to cease, to leave, to return, to hope and to rise, to start over. So soon, to doubt, however, invisible or immense, which however move, the clock of our thoughts. On se trouve devant un phénomène qui contrôle la réalité du témoin. Donc le problème, c'est que le témoin nous raconte un truc auquel on ne peut pas croire parce qu'il faisait partie du phénomène à ce moment-là, c'est-à-dire le témoin vraiment rapproché. On se trouve un petit peu, si vous voulez, l'analogie qui me plaît beaucoup, c'est le cinéma. Si vous interrogez, vous voyez 100 personnes qui sortent d'un cinéma, vous leur demandez ce qu'ils ont vu, ils ont vu Godzilla. Bon, ils sont tous d'accord sur l'existence de Godzilla. En fait, le Godzilla en question, c'était juste une projection sur un écran. La vraie technologie, elle était derrière eux, c'était le projecteur. Moi, je veux rencontrer le projectionniste. Of cycles and orbs, and invisible.